Tu m'entends bien ou pas? Ouais, je t'entends bien, je t'entends bien. C'est un pote à toi qui m'a dit que tu regardais nos vidéos. Tu l'as séquestré, ma fille. Quelle fille? Vas-y, je le parle. Quelle meuf? Pas. Je pas plus. Et tu vois? Quelle meuf, je séquestré, là. C'est gratuit. De quoi, pendant 24 heures? C'est ma fille, je parle normal. Quoi, garde-le pour toute ta vie. Je me tais. Yo les gens, salut à tous, y'a salam alaikum, c'est mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le constater il y a quelques instants, les Ray, Kenny a pu rencontrer un mec qui a fait le clip de PNL. Et puis voilà. Alors, on va vous dire comment ça s'est passé exactement. Et puis, ouais, Kenny, je laisse la parole. Bah, comment ça s'est passé, c'est simple. Donc, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, il y a un abonné, il était venu m'apporter un tableau. Il m'a dessiné. Et comme à mon habitude, bah, je prends le tableau, je discute un peu avec lui. Et là, bah, lors d'aujourd'hui, là, il m'a rapporté encore un deuxième tableau. Et au moment où il m'a porté le tableau, il m'a parlé bah, d'un gars qui était pour. Enfin, qui a participé au clip de PNL. C'est Bene ouais. Chika. Oh là, vas-y, excuse-moi. Du coup, voilà. Bon, moi, je le connaissais de nom et de vue, mais j'écoutais pas ses musiques. Enfin, pour mes raisons personnelles. Parce que Kenny préfère écouter des musiques sataniques. Excuse-moi. Voilà. Et du coup, voilà, bah après, il a dit que le gars qui avait figuré ou je sais pas quoi, enfin je sais pas exactement ce qu'il a fait dedans, mais il nous regardait et il aurait aimé nous parler. Du coup, bah, je lui dis ok. Moi, personnellement, je lui ai pas parlé. Moi, personnellement, c'est pas moi qui parlais, c'est plutôt Kenny qui a pris la parole avec justement. Il s'appelle Bene, enfin, je sais même pas comment il s'appelle. Dans le clip, ouais, il s'appelle comme ça. Il s'appelle Bene, et puis voilà, c'est le mec qui a voulu parler avec Kenny. Moi, ça m'a fait énormément plaisir parce que, bah déjà, je pense que c'est un mec un peu connu, je sais même pas. Enfin, c'est un mec un peu connu. Et le fait justement qu'il a voulu contacter Kenny pour qu'ils puissent parler ensemble, bah, ça m'a vraiment fait plaisir. Comme quoi, le monde est petit, hein, le monde est petit. C'est deux milieux différents, donc entre. Enfin, c'est le rap et le monde du jeu vidéo, etc. Et le fait qu'il regarde nos vidéos, bah moi personnellement ça m'a fait énormément plaisir. Et puis voilà, je suis très content que Kenny justement ait un peu ce genre de connaissances, parce que bah ouais, vous allez pouvoir peut-être, je sais pas, vous rencontrer. Et puis voilà. Alors il lui a dit quelque chose, mais ça on peut pas le dire. Non, ça c'est pas. Non, on peut pas le dire. Non, rien que par rapport à lui, ça c'est pas. Vas-y. Il a dit un truc, moi ça m'a perturbé un peu. Moi non, mais. Voilà, on dit juste au début. Ouais. Je suis le soldat. Non, stop. Un esclave. Ah oui. Je suis un esclave de... Stop, on arrête. Comme moi. Voilà, mais on dit pas la suite. Donc voilà. En tout cas, sache Ray, Bene, chika, oh là là là. Ça, c'est ton regard que dans le clip, là. Naha. C'est... Naha. Non, c'est même pas Naha, je sais même pas c'est quoi. Regarde quand tu ressens un regard comme ça. Vas-y, c'est mon frère, il connaît ces trucs-là. Bah, avec tes lèvres bien formées, là, je sais pas quoi, là. Enfin bref, Ray, en tout cas, merci d'avoir pris le temps de parler avec Kenny. Ça lui fait énormément plaisir. Et puis, bah, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on... Ce soir, on va faire du Ukraine. Et on va passer tous ces clips. Et on va essayer d'être imité. Après, on va coller plein de posters dans notre chambre. Tout ça, histoire de dire qu'on est proche et tout ça, tu sais, histoire qu'il qu'il y a une complicité et tout ça, tu vois ce que je veux dire ou pas. Enfin, voilà. Kenny, t'as un petit dernier mot, c'est de lui dire quelque chose, je sais pas, un petit message, parce que quand même, il a pris le temps de te parler. Non, bah, au calme, c'était un plaisir, après... T'as vu, t'as sorti au calme, hein. Tu vois, c'est... Tu sais l'effet que tu l'as fait. Vas-y, bref. Non, mais j'ai dit au calme, mais après, on n'a pas pu parler plus, parce qu'il y avait des gens qui traversaient le couloir, il n'y avait pas de connexion. Ouais, en plus, il n'y avait pas trop de connexion, mais voilà. Mais en tout cas, on a vu ta gueule. Eh, on l'entend, ta grande gueule. Non, ça, c'est moi la star, parce que c'est lui qui voulait me parler. J'ai jamais dit le contraire. Du coup, je suis cette star. Mais oui, mais moi, je lui ai même pas parlé. Moi, il voulait même pas voir ma gueule, moi. Dès que j'ai montré ma tête, il a fait, ouais, dégage, toi. Je suis une star, je suis pas une. Donc voilà. Bref, bah écoutez, les Ray, c'est la fin du. Tu peux rejouer à Counter-Strike. Ah non, c'est bon, c'est fini. Là. Ah bah c'est fini, bah ok. Bah écoutez, les Ray, bah en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous faire partager un peu ce petit moment là. Kenny, il était un peu rouge. Ah ouais, tu leur fais montrer un peu ton tableau. Mais tu fais quoi là? Vas-y, Kenny, arrête. Ah, bon, vas-y. Ramène-leur tableau. Chika. Oh là 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 là. Nah, et Bene. Il va aller vous chercher le tableau, vous allez voir. Ah franchement, j'ai vu la tronche de Bene là. C'est un bon gars, calme, posé, tape la discute, non franchement c'est un bon gars. Ray, si t'écoutes ce message, hey, il paye combien en PNL? Mougli, tout ça, la bande de Mougli, là. Il paye combien? Fort. Ouais, mais c'est bon, allez, vas-y Kenny. Donc là c'est le dessin qu'on a fait pour Kenny, tu montres le deuxième? Le deuxième? Ouais, il est dans la chambre. Je sais qu'il est dans la chambre, regarde-le. Donc ça c'est le dessin qu'on a fait pour Kenny,
Regarde, les abonnés, ils font des dessins. Pour moi, ils me font rien. Que dalle, même pas un feutre ou un crayon de papier. Rien, ouais. Peut-être elle est trop compliquée à dessiner. Je te sers en plus. Et ça, c'est le deuxième dessin qu'on a fait pour Kenny. La pure classe. Donc voilà. Un grand merci à cette personne-là. Et puis, Béné, merci à toi d'avoir pris le temps de parler à Kenny. Nous, on est là. Et voilà. Vas-y, sorceur, hey, Mougli Mougli et Béné, Béné, les colles. La daronne, aïe aïe aïe, Yacine, c'est la daronne. Ah ah ah, Yacine, c'est la daronne, aïe Yacine. Mazel tov. Bon, allez, les reilles, sur ce, on voulait sur cette fin. Y'a un compte, ça va faire le scom. Ciao, bye, Steamer. Putain, par contre, sur cette photo, t'as une 7 tronche, mon gars. Et regarde les dents pointues qu'il a fait. C'est même pas des appareils dentaires, il t'a dessiné des rails de train, frère. Il aurait dû me dessiner aujourd'hui, il aurait dû retirer deux élastiques sur les dents. Ouais, il t'a dessiné la SNCF pour toi. Allez, vas-y. Un gros sale tête de merde. Allez, les reilles, ciao, bye, Steamer. Béné. Oh, Kenny, attends, j'arrive, je coupe. J'arrive, j'arrive, non, mais j'arrive. Non, mais sauf, j'arrive, hein.